Yeah. Ma sève, c'est les sourires, les leçons, les fous rires, les sons, les dons, aiguiser ma raison. Je me lève, je parcourir, pour mieux parcourir le monde, mes ondes, et ça sous toutes les saisons. Ma sève, c'est les sourires, les leçons, les fous rires, les sons, les dons, aiguiser ma raison. Je me lève, je parcourir. C'est archi haut ce truc. Bon les amis, on se retrouve ici et c'est parti pour marcher. Faut juste trouver le chemin. Ah, ce chapeau il m'énerve. J'ai perdu mon chapeau marocain au Maroc. Je l'ai laissé à un endroit, j'ai carrément zappé de le prendre. Il est où le chemin? Wesh. Bon, je sais pas où il y a le chemin, je cherche ça sur la map parce que sinon ça va me prendre 15 ans avec le téléphone. Direction là-bas, je sais pas si tu vois. Le but c'est d'aller là-bas aujourd'hui. Bye bye, Kalahonda. Je suis toujours sur le chemin. Estoy en el viaje al lado de la playa, a la proximo de la playa. Y ma direction está Almería. Pero este nuevo y 5 kilómetros, 3 días. Ay ay ay, allez vamos. Voilà, c'est juste ici. Tout à l'heure, j'étais sous le rocher là-bas. Et là, il y a la jolie petite plage. Moi je vais en direction de par là-bas en espérant qu'il y a un endroit pour camper. Mais tranquille, je vois qu'il y a la montagne donc voilà. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que quand j'arrive à Almeria, d'ici 3 jours, je prends un bus et je retourne direct à la frontière française? Parce que là le voyage il commence à être long. Je sais pas ce que je cherche en vrai en voyage. Je peux t'assurer que je le cherche. Et après, je réfléchis beaucoup. Quand je rentre, il y a quoi? J'ai pas non plus des trucs de fou à faire quand je rentre. Donc, pourquoi rentrer plus vite? De toute façon, j'ai pas de chez moi à proprement dit. J'ai pas de lit à moi dans lequel m'étaler et passer 3 jours sans être dérangé. Donc, en vrai, pourquoi se dépêcher de rentrer? Telle est la question, même si j'ai quand même envie de rentrer. Je pense que c'est pas ça le fond de la question de ma réflexion. C'est vraiment que faire de sa vie? À quoi? Pourquoi? Avec qui? Quoi faire en fait? Je sais pas si c'est moi qui visualise trop ou qui ai fait des trucs différents et qui est un peu extrapolé, mais. Pour l'instant, si à part la petite idée que j'ai en tête qu'il faudra que je teste, mais sinon à part ça, il n'y a rien de foufou qui me tente. Hein. À part voyager, faire du sport. Mais bon, c'est pas les bases de la vie, c'est les petits plaisirs de la vie. Il faut trouver la base. La base c'est quoi? Le monde il est tellement tordu, il est tellement... Bref, je vais pas critiquer le monde. Faut que je me concentre sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux chercher comme truc à faire, solution. Mais franchement, il y a mon petit côté flemmard qui ressort, je vois pas. Hein. Je vois pas. Mais il faut se trouver un objectif, il faut toujours avoir... Là ça va parce que j'ai une direction. Quand je suis en France et que j'ai pas de direction, que je voyage pas, là je me pose vraiment des questions. Là encore, tu vois, si je sais pas où aller, je sais que bah, plus je marche, plus je me rapproche de Almeria. Mais quand t'as pas ça, où tu vas? Telle est la question. Bon, il est 20h. En fait, ouais, la ville est là, mais il reste encore beaucoup de chems. Genre, il reste au moins 1 heure. En 1 heure, je peux encore faire 6 km. Tu vois, c'est le... Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je m'arrête plus loin? Après, j'ai envie de te dire, là, c'est pas calé de ouf.
Bon, j'imagine pour ceux qui sont chez eux, c'est sûr que c'est toujours plus stylé qu'un appartement. Mais moi, je vais avancer là. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger. Je vais planter ma tente ici. Je vais faire quoi après pendant 3 heures là, avant de dormir? Je vais continuer à marcher. Hein. C'est fou parce qu'en France, on me prend en stop en même pas 5 minutes. Allez, 10, 15 max. Genre, en une journée, je traverse la moitié de la France. Et là, c'est fou. Genre, les voitures, elles s'arrêtent pas. Peut-être c'est parce que je suis fatigué. Ça fait un mois que je suis en vacances. Ma dégaine, elle est pas ouf. Genre, je suis torse nu avec la serviette dessus. Mais je trouve ça fou quand même. Quand même. Genre, dans toute la journée, y a personne qui s'est arrêté. Bah, du coup, faut marcher. Hein. Bon, ils sont partis. C'est cool parce que même eux, ils s'attendent pas à nous voir marcher au bord de la route. Oh, une citrouille. Putain, mais c'est pas Halloween. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. La pollution, c'est n'importe quoi. Les humains, c'est des fous. Ils inventent des panneaux. J'ai même pas assez... Je comprends pas. Mon cerveau, il comprend pas. Il bug. Ça marche plus. Moi, je suis pas trop alcool, mais quand tu commandes une bière en Andalousie, là, dans cette région à côté de Almeria, ils t'offrent à manger en fait avec. Genre, t'as une petite assiette pour une bière. C'est-à-dire que quand tu prends deux bières, t'as deux assiettes, etc. etc. C'est plutôt cool, c'est plutôt carrément cool. Du coup, il y a un mec qui m'a pris en stop, il s'appelle Fernando. Gros bisous à lui parce qu'il m'a fait faire, je sais pas, genre 60 km en 2 secondes alors que j'ai marché toute la journée pour en faire même pas 30. Donc un grand merci, enfin quelqu'un m'a pris une personne dans la journée et ça suffit pour te refaire ta journée. Merci et à demain. Bon, ok, le mec m'a avancé de 40 km ou 60, je sais plus, c'est énormissime. N'empêche qu'on est le soir de la super moon bleue, full moon tous les 3 ans et que j'aurais bien aimé dormir en nature, mais je suis en pleine ville. Donc je crois que je vais marcher, traverser la ville et trouver un endroit en nature, parce que vraiment une full moon super bleue, c'est vraiment trop stylé. Parce que c'est la deuxième pleine lune du mois et je crois qu'elle est super près de la Terre, donc c'est une super lune et elle est bleue parce que c'est la deuxième du mois. Bref, beaucoup d'énergie ce soir et beaucoup, j'ai envie de méditer là. Bon, les enfants, il est minuit. Ça, c'est la ville où j'étais. Ça, c'est la fête, pleine lune, super full moon. Et là où je suis, c'est... Y'a pas le flash. Perfecto. Voilà, quand je rentre, je me mets à fond dans mon business. Et je voyage en première classe après. Parce que là... Tout ça pour dormir. Faut aller en haut de cette montagne. Au moins, je suis dans les montagnes. Bon, ça se voit pas trop, je vous montrerai demain. Oh mon pote. Je suis dans un état, ça faisait longtemps. J'avais pas ressenti ça. Oh, bref, je suis tout en haut d'une petite montagne. Attention, il y a plus grand. J'ai traversé ce que vous verrez demain. On dirait du blanc de partout, c'est impressionnant. C'est toutes les cultures qui viennent d'Europe. Qui viennent d'Espagne, toutes les tomates, tous les trucs qu'on bouffe, qui sont apportés, ça vient d'ici. Je vous montrerai demain. Là, en fait, sous les lumières de la ville, il y a des kilomètres et des kilomètres carrés de... comment ça s'appelle? Pas des jardinières, mais des... Je suis fatigué, à demain. Oh, il y a la lune qui est là-bas. Et là, il y a ce que je te disais hier. Toute l'exploitation de fruits et légumes. Bon, du coup, ça, ce que vous voyez ici, ça s'appelle la mer de plastique, pour ceux qui ne parlaient pas espagnol. C'est là que toutes les productions européennes de fruits et légumes sont faites. Et bah, c'est le résultat de ne pas avoir un jardin chez soi. On est obligé d'importer. Et ça donne ce truc dégueulasse dans le paysage.